Fou. Il est parti jusqu'en bas ou quoi? Il arrive, je crois. Bienvenue dans le sud, hein, le pays du soleil. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un produit révolutionnaire. Vous allez voir. Laissez-moi ôter mon casque. Vous savez, les motos, ça coûte cher de nos jours. Un peu comme les bagnoles et les femmes. Du coup, Roland Rider a inventé... un système qu'il a mis au point qui s'appelle Géora, je l'ai reçu. Il est là, il arrive. Et donc ce colis, on va l'ouvrir ensemble pour voir justement ce qui se passe. Parce que vous savez, les vols de moto, c'est pas que dans la tête, hein, ça existe vraiment. Donc, pour éviter les vols de moto, voilà, on a inventé donc un petit boîtier qu'on a reçu. On va ouvrir ensemble, il y a différentes étapes et choses à faire et à installer, et on va découvrir ça ensemble. Je voulais faire une vidéo de présentation où tout se passe bien, où, où je suis garé avec... Oh Pourquoi tu vas les montrer comme ça? Pas bien.
mieux ça. Regarde, c'est quoi, c'est pour qui là? Reviens plus, il y a une confirmation. Bah oui. Viens ici. Viens là, Kenny. Pardon. Tu ne vois plus jamais, c'est pas possible ça. Viens là. Je vais t'emmener faire dodo, viens voir. Enfin, les voleurs, faut s'en occuper de nos jours. On peut plus laisser. En France, on peut. Y a pas la peine de mort. Ça va? Y a pas la peine de mort. Eh oui, mais faut pas voler les motos, c'est pas bien. Comment je présente mon produit, moi? Merde! Ah! Comment je le présente, moi? Et chez les voleurs. Bon, j'en ai marre de ces conneries, moi. Je rentre chez moi pour vous présenter Georide avec mes collègues. Et vous mettez toujours un casque. Faut pas conduire sans casque. Je suis pas chez moi, je vais le faire tout seul, mais j'ai quelques amis. Bon, bah, j'ai plus un sans amis dans le sud. Présente Kev. Ah ouais, faudra foutre les aides, hein. Ouais. Pas du coup, bouger, vous le voyez pas. Faut essayer de pas trop bouger. Ouais, ouais. Là, on le voit pas. Ici, on a Jean-Kevin, alias Corbier, qui nous fait d'ailleurs des petits porte-clés, donc il était passé sur Twitter. Voilà. Et ici, on a Dark Biker, donc c'est un membre de la 501ème. Du coup, bon, bah, j'ai reçu un Georide et j'ai réussi à retrouver un moto et on va ensemble découvrir ce que vaut ce. Je vais envoyer à Wallan, à Rider, hein, parce que c'est. On est tous un peu là pour ça. Voilà. Alors. Ah, il y a un mot déjà. Ah bah tiens. Et à ouvrir en vidéo. Je me demande pourquoi. Tu sais, c'est bien marqué dessus, ne pas ouvrir avant. Et tu sais, c'est bien marqué à ouvrir en vidéo. Ne pas ouvrir avant. Voilà. Bon, la boîte, on dirait un iPhone, parce que Wallan se prend pour Steve Jobs, le petit PD. Alors, tracker GPS, alerte connectée, détecteur de chute, alerte de vol, économie d'énergie, statistiques de route, entretien. Ah, c'est entretien, t'as, tu te fous pas un peu de la gueule du monde avec ton bobo de mes couilles là. D'où un boîtier de merde va faire ma vidange, imbécile. Enfin bref. Alors, il y a partage, alors je sais pas ce que c'est, sûrement le partage de ces trajectoires. Et alerte panne, donc si tu tombes en panne, il t'alerte que t'es en panne, bon c'est bon, on a pas besoin de savoir qu'on est en panne si on est déjà imbécile. Alerte vol, ça c'est la véhicule, hein. C'est vraiment pour ça que moi j'aurais pris ce truc là. Fonctionne en Europe ou en Outre-mer. Il a mis la tour Eiffel en logo à l'arrière. Toca. Bon, par contre la boîte, faut dire ce qu'elle est, elle est très très classe. Hein. On est sur quelque chose d'assez joli. Alors on voit ensemble ce qu'il y a dedans. C'était sûr. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai reçu un cadeau. Je pensais recevoir quelque chose de un truc électronique et puis j'ai reçu un pignon de sortie de boîte avec un tendeur. Voilà. C'est beaucoup ça. Ouais. Vous en aviez besoin, j'en suis sûr. Ah oui, c'est ce que je recherche. En c'est, plus ouais, de tout même. Félicitations. Voilà. Merci, bah ouais, j'ai reçu ça par la poche. Je m'attendais à avoir un truc de fou. Un oh, bah, c'est encore mieux que de fou ça. Je vais chercher par un tendeur tout à l'heure. Non. Bon, bah, très gentil à toi, ouais. Je passe pour un con dans un bar. Alors, bah regardez. Donc j'ai reçu un pignon de sortie de boîte, donc j'imagine que c'est le pignon de 16 de sa 701 qui m'a envoyé. Dégueulasse, putain, c'est pas possible, quel enculé quoi. Il m'a envoyé un tendeur avec. Alors ça, pour ceux qui se rappellent, c'est le tendeur que j'avais en Mongolie. Donc il a dû le mettre dans son sac et il m'a rendu mon tendeur. Alors c'est gentil. Beau gosse. Et ben... Ah télécharger l'application Georide pour démarrer l'aventure. V. Plein de graisse. Plein de graisse. Bon bah écoutez, on reporte cette présentation dans une vidéo un peu plus professionnelle. Bon, on aura fait tout ça aujourd'hui pour un pignon de sortie de boîte et ouais.
Ah ouais, mais c'est. Moi j'ai la boîte. Moi je suis content. Franchement la boîte est bien. Je te l'offre. Oh, trop gentil. Cadeau. Bon bah voilà, bah écoutez, ainsi s'achève cette vidéo dans laquelle vous ne verrez pas malheureusement la présentation de Joyride, mais à la vôtre, et on se retrouve dans la vidéo d'après pour vraiment le vrai test de Joyride, parce qu'apparemment j'aurais reçu un colis, j'ai eu un appel tout à l'heure, c'est pour ça que je devais ouvrir ce... Ah, il m'a piégé, il est malin. Normal, c'est un nordiste. Bon, il est un peu con, il pue un peu la bière, mais il est malin. Il m'a piégé avec celui-ci, donc en fait je me suis fait chier à me hyper moi-même pendant une semaine pour un pignon de sortie de boîte. On a travaillé pendant 4 heures aujourd'hui, 5 heures, sur une vidéo pour que j'ouvre cette merde dans un bar. Dernière fois, voilà, non. C'est connerie. Voilà le vôtre, bien sûr. Ce. Tentez. AG Oreille, hein. AG Oreille. Vivi Oreille. AG Oreille. Et me fais pas chier, elles sont bien ces lunettes, ça fait un peu bobo, regarde. Je suis un peu comme toi maintenant.